control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control. Cette émission sera totalement objective. Ah mais vraiment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Ne nous fâchons pas, un Ne nous fâchons pas totalement geek, puisqu'on va parler de deux films sortis en 2017, deux films de science-fiction, hein, issus d'univers de science-fiction hyper importants pour la culture geek, hein, comme on dit. Il s'agit donc de Valérian, de Luc Besson, et de Star Wars numéro 8, parce que j'aime bien les deux univers. Donc on va parler principalement de ces films-là, car ce sont deux films en fait qui ont été, pas mal clivants. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont adoré et d'autres qui ont détesté. Mais avant de commencer, je dois quand même vous avertir, hein, je ne peux pas honnêtement me considérer comme étant un cinéphile. Tout simplement parce que, comme la majorité des gens, j'aime bien aller au cinéma, voir des films qui m'intéressent, évidemment. Mais les films, quand je vais les voir, je n'aurai pas ce réflexe que les cinéphiles ont, c'est-à-dire de faire attention à la façon dont c'est cadré, la façon dont c'est filmé. Ah bah tiens, là il a fait un plan comme ceci pour exprimer cela. Ah là il met en avant plus le personnage et pas l'autre. Enfin, ce genre de choses, quand je vois un film, je ne vais absolument pas y faire attention. Alors certainement inconsciemment, mais pas consciemment comme beaucoup le font, surtout sur YouTube. Il y a énormément de chaînes spécialisées là-dedans, hein, dans la cinéphilie, j'ai envie de dire. Et moi, je suis incapable de faire une analyse sur ces aspects-là. Voilà. Donc, l'avis que je vais donner sur les deux films, évidemment, ne concerne que moi. De toute façon, c'est très subjectif tout ça. L'art, à la base, hein, que ce soit du film, que ce soit de la bande dessinée, que ce soit des romans, que ce soit de la musique, c'est totalement subjectif, hein, c'est les goûts et les couleurs, tout ça. On n'a pas forcément le même avis que tout le monde, et c'est même tant mieux d'ailleurs. Avant toute chose également, sachez que je vais énormément spoiler de nombreuses œuvres ici et là, hein. Donc juste avant de commencer, on va avoir droit à une petite liste de toutes les œuvres répertoriées où il y aura du spoil. Voilà, comme ça vous évitera de m'engueuler par la suite. On va commencer donc par le film Valérian de Luc Besson qui était sorti au mois de juillet 2017, je crois que c'était le 24 juillet mais j'en suis pas sûr du tout, enfin bref au mois de juillet on va dire, 2017. Valérian est en fait l'adaptation de la bande dessinée éponyme Valérian, enfin qui a été connue plus tard par le nom de Valérian et Laureline. Au départ ça s'appelait Valérian tout simplement parce que Valérian était censé être le seul héros de la bande dessinée, mais avec l'apparition du tome 1, dans le tome 1 pardon, de Laureline, elle a tellement été populaire auprès des lecteurs que les créateurs Mézières et Christin ont décidé de la garder comme personnage principal, et par la suite c'est devenu Valérian et Laureline. Cette bande dessinée, si vous ne la connaissez pas et si vous aimez la science-fiction, il faut absolument la lire. C'est une bande dessinée qui, premièrement, n'est pas ce qu'il paraît. Quand on regarde simplement les dessins, surtout au début, on a plutôt des dessins un peu entre guillemets enfantins. Il faut savoir que Valérian était dessiné au départ, au tout début, au magazine de bande dessinée Pilote. Pilote qui est l'origine d'énormément de bandes dessinées en France, hein, notamment Astérix, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. On a donc un peu ce caractère franco-belge des années 60, je crois que c'est 70. Donc assez enfantin au niveau du dessin, etc. Mais franchement, c'est vraiment une BD qui s'adresse à tous, que ce soit enfants, mais aussi surtout adultes. Enfant, pourquoi? Parce qu'avec ces dessins qu'on a là, eh bien, un enfant peut s'y intéresser sans problème. Et surtout, ça peut parler aux enfants et ça peut mettre, je dirais, en avant certains problèmes plus adultes envers ces enfants, enfin, leur présenter ces problèmes-là. Parce que dans la bande dessinée Valérian, on aborde énormément de sujets, finalement, adultes. Hein, comme ça se passait dans les années 70, il y a eu toute cette peur
qui était quand même plus ou moins justifié, hein, d'une troisième guerre mondiale avec, enfin surtout une guerre nucléaire, hein, qui risquait de transformer notre monde dans un monde littéralement post-apocalyptique. Il y avait toute une réflexion également sur la colonisation, enfin sur le, comment dirais-je, de point de vue plus géopolitique, qui serait peut-être très difficile à expliquer pour les enfants en général, mais qui ici passent très très bien et sont facilement abordables. Et pourquoi adultes également? Bah parce que ces sujets-là vont parler également et surtout aux adultes. Donc franchement, rien que pour ça, vous devez lire la bande dessinée Valérian. Surtout que cette bande dessinée, j'en suis persuadé, a influencé énormément d'autres sagas de science-fiction. En France évidemment, en bande dessinée évidemment, en film aussi, hein, puisque le cinquième élément de Luc Besson, toujours, s'est beaucoup inspiré de Valérian. D'ailleurs, il avait fait appel à Christin et Mézières, les créateurs de la bande dessinée Valérian, comme consultants pour l'aider à créer le cinquième élément. Et en dehors même de la France, cette bande dessinée a eu, j'en suis persuadé, vraiment de l'influence. Et notamment sur une autre franchise que j'aime beaucoup, hein, qui est juste derrière moi, ouais, le monsieur avec le casque derrière là. Oui, oui, Star Wars. Je pense sincèrement que George Lucas s'est inspiré de certains éléments de Valérian, surtout au niveau visuel. Surtout, alors je sais plus, je crois que c'est dans le deuxième ou troisième tome. Je remettrai sur la vidéo le tome en question, où on a pas mal de parallèles entre les épisodes Star Wars et ce tome-là, d'un point de vue visuel. Alors après, attention, je ne dis pas que George Lucas a copié sur Valérian, hein, on est d'accord que non, il a créé un univers qui lui est propre, hein, George Lucas, mais il a eu certainement une influence de la part de cette bande dessinée. Allez, revenons maintenant sur le film Valérian. Eh ben moi j'ai adoré ce film. Alors visuellement, il est magnifique, superbe, hein, je vais pas revenir là-dessus parce que énormément de gens en ont parlé déjà avant moi. Mais bon, il faut quand même saluer la prouesse technique et technologique des équipes de Luc Besson sur ce film. Là où il pêche un petit peu, peut-être effectivement, c'est au niveau du scénario qui n'est pas le plus... Comment dirais-je? Le scénario le plus poussé que Besson ait écrit. C'est clair et net. Mais franchement, c'est loin d'être un mauvais scénar. Personnellement, au niveau des personnages, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons dans leur ensemble. J'ai été agréablement surpris par la performance de Rihanna. Même si j'avoue qu'elle était peut-être un petit peu longue, surtout au niveau de la danse, au bout d'un moment on a envie de dire ok, c'est bon, est-ce qu'on pourrait peut-être un peu avancer dans l'histoire, s'il vous plaît. Mais bon, Rihanna m'a quand même bien surpris, hein, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle joue bien. Waouh, c'est super sympa. Voilà, enfin, en même temps, c'était le premier film que je voyais d'elle, enfin, que je voyais avec elle. Donc voilà, hein, donc tant mieux. Concernant les deux acteurs principaux, donc Cara Delevingne et Dan DeHaan, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur eux, notamment le fait que Dan DeHaan n'est pas hyper charismatique. Ça, c'est vrai que c'est pas le mec le plus charismatique que je connaisse, hein, d'accord. Waouh, c'est super sympa. Mais également aussi sur le fait que Cara Delevingne semble être totalement en mode statue, c'est-à-dire qu'elle n'aurait aucune expression. Personnellement, j'ai absolument pas ressenti ça dans le film. Je trouve qu'ils sont juste les deux. Ils ont leur personnage, leur propre vision, ou la vision peut-être, je pense même de Besson, de ces personnages, de Valérian et de Laureline, qui sont un peu différents de celles que j'ai, moi, par rapport à la bande dessinée. Par exemple, Valérian, pour moi, à la base, c'est pas du tout un coureur de jupons. C'est juste un gars qui sait le faire de son taf, mais qui fait un peu le con aussi de temps en temps, ce qu'on voit un peu dans le film, d'ailleurs. Enfin, qui fait le con dans le sens où, parfois, il fait un peu n'importe quoi. Voilà. Et Laureline, elle, est là, justement, pour le mettre sur le droit chemin, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très... qui est très 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 joyeuse en général, Laureline, mais en même temps très forte. Le côté joyeux, je ne l'ai pas ressenti dans l'interprétation de Cara Delevingne, mais j'ai trouvé que ça restait quand même assez crédible et assez proche finalement de la bande dessinée, et la façon dont elle a de répondre à Valérian, de foutre des coups de poing et des coups de boule à qui que ce soit, enfin de se battre évidemment. Voilà, moi personnellement, j'ai pas été choqué par leur personnage. Si, juste le fait que Valérian soit présenté dès le début comme un gros de jupon, et surtout l'amourette hyper poussive, je dirais, entre Valérian et Laureline, qui existe dans la bande dessinée, mais dans la bande dessinée, on apprend qu'ils se mettent ensemble. Et c'est tout. Et après, on s'en fout, on sait qu'ils sont ensemble, et point, on va pas rester pendant 20 minutes, une heure et demie, deux heures, à dire est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas, et l'autre qui essaie de la draguer, il arrive pas, enfin blablabla. Là, ils se rencontrent, premièrement, ils commencent à se connaître, à s'apprécier, et après, ils se mettent ensemble. Voilà. Et une fois qu'ils sont ensemble, ben, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, c'est important dans le récit, mais... on va pas passer 20 minutes là-dessus, quoi. C'est pas ce qui est le plus important, entre guillemets. Là, dans le film, j'ai eu peur qu'on soit un peu trop bloqué dans cette histoire de Valérian qui s'est toujours en train de draguer Laureline. Alors, c'est le cas, hein, il la drague sans cesse, mais c'était beaucoup moins lourd que
Je n'ai été effrayé, hein, je n'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur que ça devienne super lourd sur tout le film, et finalement, c'est juste au début où ça m'a un peu gonflé, mais après, ça s'est vraiment calmé, et petit à petit, bon, ça s'est fait de façon un peu plus, entre guillemets, naturelle. Beaucoup de personnes également n'ont pas forcément aimé la fin, enfin, surtout les paroles de Laureline, comme quoi c'est l'amour, c'est bien, c'est gentil, etc. Bon, ça, c'est une thématique que Besson aime bien, hein, puisque dans le cinquième élément, c'est le même principe, hein, au final, c'est le pouvoir de l'amour, hein, qui sauve le monde, qui sauve l'univers. Oui, ça peut être un peu emmerdant, ça peut être un peu chiant, hein, pour certaines personnes. Toutefois, le pouvoir de l'amour, on nous le ressort en ce moment vraiment régulièrement, hein, très régulièrement, dans des séries, dans des films, hein, dans des séries, par exemple, je pense à une très bonne série que j'ai beaucoup aimée, The Strain, de Guillermo del Toro et d'un autre type, j'ai oublié le nom, désolé mon gars, hein, c'est une histoire de... un peu horreur fantastique, je vais pas tout vous dévoiler, enfin je vais pas trop en parler parce que je risquerais de vous dévoiler des choses hyper importantes par rapport à cette série. Regardez-la d'ailleurs, elle est très très bien. Mais on apprend à la fin que ben, finalement c'est le pouvoir de l'amour qui résout tout, hein, puisque on a le fils du héros qui est devenu méchant, hein, qui restait avec le grand méchant, qui était le copain du grand méchant, qui finalement à toute fin décide que son papa il est quand même gentil et qu'il aime son papa et que du coup eh bien on va aider son papa, on va sauver le monde. À côté de The Strain, on a également d'autres films. Là, j'ai... si celui qui me vient en tête, c'est le Star Wars 8, mais on en reparlera plus tard. Enfin, petit aparté sur Star Wars 8, hein. Quand vous avez Rose qui dit à Finn, mais non, idiot, on gagne pas une guerre en tuant les ennemis, on gagne une guerre en protégeant ceux qu'on aime. Alors, c'est très joli, c'est très bien. Mais je crois que n'importe quel stratège en herbe va vous dire que c'est de la connerie. Wow, c'est super sympa. Voilà. Et dans le genre le pouvoir de l'amour résout tout, vous avez également les gardiens de la galaxie numéro 2. Ben oui, hein, c'est un peu le même principe, sauf que là on est plus sur un amour familial, puisqu'au final c'est l'amour que Star-Lord éprouve pour sa mère qui va lui faire se rendre compte que Ego est un sale con. Et qu'en même temps, celui qu'il doit considérer comme étant son père, c'est Yondu, son père adoptif, et non pas Ego, son père biologique. Et ça lui permet également de se battre contre Ego, et de péter la gueule à Ego, et de sauver le monde, l'univers. Et puis rappelons également que Gamora et Nebula vont finalement se retrouver et vont se rappeler qu'elles sont frangines. Peut-être d'adoption, mais qu'elles se considèrent comme étant des sœurs. Enfin bref, donc le pouvoir de l'amour qui résout tout à la fin du film, ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans énormément d'histoires. Si on le reproche au film Valérian, eh bien on peut le reprocher à énormément d'histoires, de livres, de films, de séries, de jeux vidéo, etc. Et je pense que la liste est super longue. Autre chose également qui a été reprochée à Valérian, comme quoi ce serait plus ou moins une sorte de plagiat d'Avatar ou je ne sais quelle connerie, parce que oui, pour moi, ça, dire ça, c'est de la connerie. Il y a certainement une influence d'Avatar, je ne dirais pas le contraire. Mais le film Valérian et la cité des mille planètes, est surtout inspiré par le tome L'ambassadeur des ombres, de Valérian toujours, où on se retrouve donc sur Point Central. Donc Valérian, pour ceux qui ont vu le film, vous avez compris, c'est un agent spatio-temporel, on est dans le futur, avec Laureline. Dans le futur, les humains ont découvert le secret du voyage spatio-temporel, ce qui leur a permis de découvrir énormément de civilisations, et de devenir une des civilisations universelles, enfin, même intergalactiques, puisqu'on est sur plusieurs galaxies, je crois, les plus importantes dans l'univers. Et dans l'univers de Valérian, on a ce qui semblerait être la capitale de l'univers entier, du cosmos, capitale qui s'appelle Point Central, et qui là ici s'appelle Station Alpha. Dans le film, la Station Alpha, c'est à la base une création humaine, c'est la Station Internationale, hein, qui existe actuellement, qui à terme va devenir tellement grande, et qui va attirer de plus en plus d'extraterrestres, qu'on est obligé de la pousser loin dans l'espace pour éviter qu'elle rentre en collision avec la Terre, surtout pour que tout le monde, enfin de plus en plus de civilisations, y accèdent. Point Central, dans la bande dessinée, qui est la même chose, hein, c'est pas les humains qui l'ont fait, on ne sait pas qui. Au début de l'ambassadeur des ombres, on ne sait pas qui a fait cette station spatiale. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au fur et à mesure, avec le temps, de plus en plus de civilisations extraterrestres se sont agglomérées sur ces stations pour créer un ensemble totalement hétérogène, bigarré, avec énormément de bâtiments différents, enfin comme nous l'a montré le film, hein, qui l'a très très bien montré d'ailleurs. Et donc on ignore totalement qui est à l'origine de cette station spatiale. Donc ce ne sont pas les humains, je le répète. Dans cette station spatiale, dans la bande dessinée, là on l'a pas vu dans le film, mais dans la bande dessinée, il y a une espèce d'extraterrestre qui ne parle pas,
qui est toujours en train de maintenir en état la station spatiale, mais qui ne dit rien aux autres races qui font comme si elle n'existait pas. J'ai oublié le nom de ces extraterrestres, je vous le remettrai sur la vidéo. Et quand j'ai vu ça, une station intergalactique ou interplanétaire, qui sert plus ou moins de capitale au monde, enfin à l'univers, au cosmos ou à la galaxie, hein. Une station avec énormément de races différentes, qui cohabitent, qui prennent des décisions ensemble, parce que vous avez un conseil, vous avez un petit peu tout, il y a énormément de politique dans la bande dessinée Valérian, ainsi que dans le film, hein, vous avez vu, le conseil est montré très rapidement. Avec une race à l'intérieur de cette station spatiale qui s'occupe d'entretenir la station et de faire comme si les autres races n'existaient pas, j'ai pensé tout de suite à la citadelle de Mass Effect. C'est exactement le même principe. On a une citadelle dont on ignore vraiment l'origine, finalement. Enfin, on l'apprend dans les jeux Mass Effect. Et on a une espèce, pareil, qui est toujours en train de l'entretenir, d'agir, comme si les autres espèces qui vivent dans ces stations, pourtant, qui sont à côté d'eux, souvent, comme si ces espèces-là n'existaient pas. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a une influence, j'en suis persuadé, de cette BD sur d'autres œuvres, même outre-Atlantique. Dans l'Ambassadeur des Ombres, donc dans le tome Valérian, pas dans le film, on a des êtres qui s'appellent les Ombres, justement, et on comprend que ce sont eux, la première civilisation, à avoir créé cette station spatiale. Et ces Ombres nous expliquent tout simplement qu'ils ont été au firmament de la civilisation, et au bout d'un moment, ils se sont lassés, tout simplement. Et ils ont abandonné leur technologie, leur avance technologique. Enfin, ils la possèdent toujours, mais ils n'en font plus état. Ils vivent plutôt de façon très, entre guillemets, primitive, très simple, au final, au centre même de la station de Point Central, dans un endroit que peu de personnes connaissent. Et ces Ombres ressemblent beaucoup aux Pearl du film. Donc, l'influence, disons, d'Avatar sur le film, enfin, le copiage plutôt d'Avatar sur le film, je pense qu'il n'existe pas. Il y a eu une influence, je suis d'accord, hein, du côté on vit en harmonie, etc. C'est possible que Besson soit inspiré du film Avatar pour pour ceci, hein. Mais l'influence principale des Pearls dans le film Valérian, ça vient de l'Ambassadeur des Ombres. Et je vous rappelle que Valérian, les premiers tomes datent des années 70, donc avant l'arrivée d'Avatar. Voilà. Personnellement, j'ai vraiment pas compris la majorité des critiques négatives faites sur ce film. Non, j'ai pas compris, parce que bien franchement, il y a de l'action, il y a de l'humour. L'histoire, bon, l'histoire est pas hyper sensage comme j'ai expliqué, mais elle est loin d'être mauvaise. Après, vous allez me dire, un bon scénario ne fait pas forcément un bon film, et inversement, on n'a pas besoin d'avoir un bon scénario pour faire un bon film. C'est vrai. Mais sérieusement, moi je trouve que Valérian vaut largement les films Marvel actuels. Parce qu'on va retrouver plus ou moins la même sauce, c'est-à-dire de l'action, de l'humour, du suspense. Même si, enfin, il y a un cahier des charges qui est très très codifié chez les Marvel, et bon, on n'est jamais très surpris. Là, pareil, on n'a pas été tellement surpris sur le scénario. Plus sur, en revanche, au niveau visuel, qui apportait énormément de choses, d'éléments hyper intéressants. Mais les gens qui ont critiqué ce Valérian, pas tous, mais une bonne majorité, personnellement, je pense qu'ils ont, j'espère pour eux, parce que sinon c'est pas logique, qu'ils ont critiqué également tous les films Marvel. Parce qu'on a plus ou moins la même sauce, hein, finalement, quand on y réfléchit. Personnellement, moi je trouve que le film Valérian est loin d'être une bouse monumentale, comme beaucoup de personnes l'ont dit, et je le place même dans mon trio de tête de meilleurs films de SF que j'ai vu en 2017. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas vu, genre Thor Ragnarok. Je mets dans le trio de tête avec, bah, en premier, ça va être Blade Runner 2049, qui m'a foutu une putain de claque dans la tronche, comme beaucoup de personnes, j'espère. En deuxième, ben, je mettrai le Star Wars 8, et en troisième, le Valérian. Donc là, on va enchaîner sur le Star Wars 8. Can you hear me, Metatron? Can you hear me, Metatron? Can you hear me?